J'ai bien dormi, moi. Ah oui, tranquille, en pleine nature, là. Tu te réveilles, t'es confortable dans la mousse. C'est un petit peu humide quand même. Mais moi, j'aime bien. Bon, il faut pas faire attention aux bestioles qui passent la nuit, si tant est que ce soit des bestioles, hein, parce qu'il y a des moments où les bruits, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Oui, on retourne dans The Cursed Forest une septième fois. On ne boude pas notre plaisir. Non, 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 pas du tout. Et j'irai jusqu'au bout pour savoir si ce jeu est un nanar ultime ou s'il démontre des subtilités que je n'ai pas compris. Vous me suivez? On y va. Alors, je vous rappelle que précédemment, dans The Big Game of Ski, j'étais coincé. Et j'étais coincé pas qu'un peu, quoi. J'étais coincé, genre, tiens, j'ai pas ma capture aujourd'hui, c'est marrant. J'étais coincé, genre, gros coinçage. Ah ben si, mais elle a mis du temps à arriver, quoi. Bah oui, on n'a pas les mêmes moyens de transport. J'étais coincé à cause d'un portail qui était bloqué. Et regardez, je l'ai débloqué. Alors, je vais quand même vous résumer ce qui s'est passé. J'avais oublié un script au beau milieu de la carte. Je n'avais pas déclenché un événement qui avait pas grand-chose de cohérent à voir, quoi. Mais bon, tout est que ça y est, ce fucking portail est enfin ouvert. On va pouvoir avancer. Ou se faire empaler. Ou se prendre un piège à loup. Ou se faire éclater par une bestiole. Ou lire cette note d'abord. D'accord, ça se précise donc. Apparemment, c'est une célébration pour refaire vivre quelqu'un qui a mal tourné, et voilà. Je pense qu'ils ont réveillé une créature, la fameuse créature en fumée qu'on voit régulièrement, et qui va pas manquer de venir me faire coucou, je pense, dans pas très longtemps. Ouais, peut-être que je me trouve un abri, moi, je pense que ça va flotter. Je vais rester là le temps que l'averse passe. Comment ça, c'est pas une averse, c'est un gros orage. Bon bah tant pis, hein. Ouais. Qui suis-je pour juger? Ça ne va pas s'écrouler. C'est pas du tout prévu pour ça. Mon Dieu, c'est bientôt. En fait, c'est ça qui est désolant dans ce jeu, c'est les pirouettes cacahuètes utilisées par le développeur pour allez, j'enchaîne, on passe au tableau suivant, gars. Il y a des fois, c'est pas que ça a ni queue ni tête, mais c'est des raccourcis, franchement. On sent que le gars en avait rien à foutre de sa narration, et c'est un peu désolant, parce que il aurait mis un truc plus subtil, plus éparpillé, avec un chouette fil conducteur au milieu, histoire de centraliser un peu le joueur, il y avait moyen qu'il fasse un jeu sympa. Mais pour l'instant, non, je suis désolé, on a un nanar du jeu vidéo, je persiste. Alors, on va voir ce qu'il nous réserve en pirouette cacahuète. Je vais récupérer un truc à boire. Vite fait. Hop, 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 hop. Et oui, vous ne le voyez pas, c'est mon Graal. Mon fameux bug de 50 centilitres, qui aujourd'hui est plein d'eau. Est-ce qu'il est toujours plein d'eau? Il arrive parfois exceptionnellement qu'il soit plein d'eau de substances. Mais en fait, des substances, il en a vu passer beaucoup. Hein. Mais bon, vu qu'on veut vite finir ce jeu, aujourd'hui ce sera de l'eau. Et un chargement. Juste. Purement. Hallucinant. Non, je parlerai pas. Pour renforcer la longueur de ce chargement qui n'en finit plus et faire monter la tension tout doucement dans le stream.
Alors, où est-ce que je vais me réveiller encore? J'en profite pour aller tirer les rideaux une fois de plus, vu que j'enregistre en mode diurne. Faudrait surtout pas que je rate quelque chose. Vous n'avez toujours rien compris? Moi non plus, je vous rassure. Là 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 là. Allez, filons achever ce nanar. Et profiter des endroits où on n'y voit que dalle. Et bim! Une note, regardez-moi ça. Donc en fait, c'est un mec qui s'entraînait à faire des smileys et puis. Apparemment, il n'y arrivait pas, quoi. Il n'était pas satisfait du boulot. Ceci dit, il y a une petite fleur au milieu qui n'a pas été rayée. Profitons-en, hein. J'espère qu'il a paumé l'habitude des pièges à loup par terre, parce que j'arrête pas de me les prendre vu que j'y vois pas beaucoup. Et c'est pas moi qui suis bigleux, hein. C'est juste le jeu qui est très sombre. Et l'éclairage ambiant ici qui est très violent, puisque nous avons un hiver rigoureux, quoi. Il doit faire au moins 25 degrés. Que vois-je au loin? La civilisation? Ou juste d'où je viens? Ah, il commence à flotter! Je vais être tout trempé! Un peu mon retour parce que vous deviez l'avoir dans les oreilles. Ça sent la civilisation par là. Oui, mais je n'irai pas si facilement. Alors, que faire, Nicolas? Oui, que faire? Tu pourrais faire le jump. Mais le jump, tu vas crever, quoi. Vous voulez que je tente le jump? C'est pas une très très bonne idée. Mais si on ne trouve pas d'autres indices, je pense que désespéré qu'on est, on sera obligé de le faire. Un petit piège à loup. Je sais pas pourquoi je le sens pas ce passage dans le creux là. Oui, c'est la méfiance naturelle du joueur qui s'est déjà fait piéger pour des trucs idiots. Cette grosse marque là, c'est quoi? Bon. Alors, pourvu que je rate pas un indice. Parce que si je rate un indice, le jeu va encore me bloquer comme précédemment pour le portail. Et ça va être vraiment très triste, voire pathétique, quoi. Alors, il y a un passage là-bas en dessous, on va suivre bêtement. Bête et discipliné. Oui, c'est moi. Je vais rapprocher le micro, il est trop loin. Oui, parce que il faut que je vous dise, techniquement, j'ai une installation qui est un peu contrariante aujourd'hui, on va dire. Une note m'appelle.
Hé, hey, joueur, prends-moi, dis-moi, fais gaffe au piège à nous à côté. Il est déjà fermé, non? Il devrait pas me faire trop de mal. Je peux pas prendre cette note. Ok. Eh ben, meurs. Nous la sauvegarde AG. Alors, est-ce qu'il y a un truc à faire par là-bas? C'est pas si évident. Un bout de map? Allez. Un bout de que dalle, oui. Un bout de que dalle. Qu'est-ce que je fais? J'explore là-bas ou je me fais le petit. On va dire c'est un cul-de-sac, ça, de toute façon. Bah oui, c'est un cul-de-sac, enfin, que diable. Qu'est-ce que tu croyais, toi? Tu veux faire l'équilibriste? Hey! Trop fun. Bon, arrêtons les âneries. On va essayer de faire que ce soit le stream ultime, le stream final, le stream qui nous débarrasse de tout, y compris de ce jeu en particulier. Qui. Je sais pas. Ça me chagrine toujours de boiter un jeu, alors que bah c'est quand même du boulot à la base, quoi. Mais quand le boulot est pas terriblement fait, voilà ce qui se passe. On a un joueur qui s'est emmerdé et qui a fait du Benny Hill dans un truc qui était supposé faire des frissons à tout le monde. Il y a quand même un problème. Je voudrais pas pousser mémé dans les orties ou dans les ronces, mais est-ce que j'aurais un bout de map par hasard total? Non, que dalle. 1 sur 9, 0 sur 2. Il va y avoir du boulot à mon avis. Et je pense qu'on n'est pas sorti d'ici en une demi-heure, je vous le dis. Que je serais pas en train de remonter non. Non, je suis pas comme ça. Et non, je ne vais pas faire le générique de Benny Hill encore. Mais pourtant une grosse envie me saisit, quoi. Attention, mind the gap. Quel gap? Oui, faites attention au trou. Vous me connaissez, moi dès qu'il y a un trou. N'allez pas penser des trucs complètement idiots. Dès qu'il y a un trou, ben, il faut que j'essaye, quoi. Oui, de tourner autour du trou. Arrêtez les sous-entendus, c'est pas terrible. Je vais avoir des problèmes si vous continuez. Alors je confirme, c'est un trou, hein, c'est un grand trou. Mais on va éviter quand même. Ce serait dommage de. Tu n'impressionnes personne. Tu n'impressionnes personne. Je suis la puissance incarnée. Je suis la certitude. Je suis le doigt de la vérité. Et je vais choper cette note. Ça tombe bien, cet ours, je l'ai retrouvé. Donc si je te retrouve toi, ben on va pouvoir être amis. Et si tu me dis que tu es l'espèce de bestiole enfumée, et ben du coup on va être potes. Et moi je pense que c'est génial, parce que j'ai jamais eu de potes enfumés, hein, honnêtement. J'ai eu des potes enfumés, en un seul mot. Mais enfumés, non, jamais. Alors c'est un. Putain, le bug d'inventaire, pitié! Un cristal! Bon, ok, il y aura peut-être un truc à activer. On verra bien. J'ai bien fait de faire ce petit détour donc. Et nous allons partir à la poursuite du script qui ne se déclenche pas. Genre, en éboulement, va falloir tracer. Donc je vais éviter de courir tout de suite. C'est vraiment regrettable que ce jeu soit aussi bateau, quoi.
j'ai pas peur. Ah putain, il m'a fait tomber ce con. J'ai failli me casser la margoulette, dites donc. Oui, la margoulette, c'était le mot à caser de la semaine. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? C'est ça, cache-toi, tu es moche. Tu essaies de me faire tomber, je ne suis pas très content. Ton nounours, tu vois ce que je vais en faire? Là, je vais me soulager, je vais me torcher avec. Non, mais t'as cherché, quoi. You want to provoke me? Là, il provoque you too, hein. Non, c'est toujours pas un raccourci par là. Et tout ça pour se barrer en lâche. Ah ben bravo. Saleté. Ni. Un petit rush. Un petit éboulement. Je demande moi avant. Je suis très poli, très courtois. Non, que dalle. Ok. Bon, on va aller en face. Il y avoir un passage aussi, on va en profiter. Hop 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 hop, un petit auto-save, c'est pas plus mal. On va tracer là-dedans, ça devrait passer. Regardez-moi ça, c'est pas bien fait. On se croirait dans un jeu. Un autre cristal. Mon dieu, mais je peux dire que j'ai des cristaux alors. Allez, c'est parti. Cristaux. Je t'écrirai les mots bleus. Comment ça, faut pas que je chante? Mais si, 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 vous adorez ça, je le sais. Ouais, non, je vais laisser cette chose, je vais la laisser faire par Doline. Elle le fait beaucoup mieux que moi. Et c'est beaucoup plus agréable. Écoutez, qu'est-ce que c'est que c'est? Ça bouge? Ça va pas venir au droit sur moi. What is it? Mais c'est Snake de Metal Gear Solid. Il est dans un carton, regardez. Et il essaye de se déplacer sans que je le remarque. Mais quel idiot. Snake, sors de là. Non, tu n'es pas crédible. Regarde ça faire. Ah, si c'est des pommes, je les mange pas, les gars. D'accord, t'as envie de jouer, toi. C'était quoi? Une merde! On en reparlera à la fin du stream. Quand j'en serai à la conclusion, parce que... Comment dire? Je vous garde la surprise. Oui, je suis toujours plein de surprises. Oui, j'inspecte où est placée cette sauvegarde parce qu'elle m'a l'air un petit peu dans un endroit là con. De là à ce que ce soit une fausse sauvegarde comme on m'a fait le coup il n'y a pas si longtemps, je m'attends à tout. Alors une note, on va lire la note d'abord. Sérieusement, c'est la fin du jeu. Je voudrais pas tourner en rond pour une ânerie. Donc apparemment, les cristaux vont me servir à me sortir de l'obscurité qui n'est pas mon ami. Ok, donc faut que je trouve noir de cristaux. J'ai toujours cette histoire de fleurs que j'ai pas pigé. J'ai le droit de sauvegarder d'ailleurs, tiens. Hop hop hop. Alors c'est moche que j'ai pas de map. Quand même. Hum.
Parce que je sais pas trop où aller me balader du coup. Si je fais le tour là pour rien ou si je me tente un petit ref par là. Ça se tente, hein. Du coup, je sais plus trop où je suis par rapport à où je suis arrivé. Je pense que là, je vais redescendre. Ça peut être bien. Ouais, ça peut être sympa. À moins que je me prenne un piège à loup encore. Croyez-vous que je piège à loup? Pas du tout. Pas du tout. Ouais, j'ai un truc extra. Je suis déjà passé ici, hein. Il me semble. Tout se ressemble, tout s'assemble, tout YouTube. Hop, hop, histoire d'avoir fait le tour complètement. Hein. Oui. C'est quoi ça? C'est une lumière. Ok, ça c'est une autre lumière. Mais je l'ai fait ce truc. Ça y est, je suis perdu, je suis égaré, je suis. Tristesse. Alors apparemment, je suis pas passé ici. C'est pas supra explicite, hein. Mais on désespère pas, on va arriver à réunir tous les éléments pour comprendre quelque chose. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu capillotracté, comme on dit. Je vais finir par me paumer pour de bon. Mais vraiment pour de bon quoi. Alors j'ai fait mon tour là. Ah, il y a la fameuse zone obscure. Que je vais peut-être pouvoir éclairer avec mes cristaux. Fuck yes. Double fuck yes. Mais il veut que j'en trouve d'autres. Il veut que j'en trouve d'autres le bouc. Est-ce que j'en ai assez? Que dalle, va chercher tes cristaux, tête de veau. Ok, boss. Par rapport à où je suis monté, donc j'en ai vu qui brillait par là-bas. Il me semble. Non, je vais essayer de tracer, mais sans me prendre un piège à loup, ça serait moche. Mais voilà, rien n'est garanti, rien n'est promis. Tout peut arriver, tout peut changer. Oui, le changeage, c'est maintenant. Bouge, 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 bouge. Speed. On va speeder un peu là. Parce que c'est sympa de tourner en rond, mais pas trop. Oh nom de Zeus. Alors, où est-ce que je suis là? Je l'ai déjà fait. J'étais en train de dire, je l'ai déjà fait celui-là. Tu n'es pas très sympa, et du coup, maintenant je sais plus du tout où je dois aller. Pff, je vais tenter celui-là, allez. Chaud, chaud, chocolat. Fais gaffe, il y a des trous. Des quoi? Et il faudra que je revienne par là pour. Bah, faut que je trouve deux cristaux déjà. Une fois que j'aurai mes deux cristaux, la vie sera belle. Is there any cristaux here? Comment ça on dit un cristal quand il n'y en a qu'un? Bah, je m'en fous, je veux le truc. Je veux ça. Saleté de piaf qui pique les cristaux, regarde-moi ça. Cuva, il est tombé bevé! Faut que je descende tout en beva. Et pourquoi je parle comme si? Bah, parce que je parlerai pas comme ça, les gars. Il y a une note. On va vite aller chercher ce cristal, plutôt que de tourner et prendre le froid là. En plus, je suis en plein courant derrière ça. Donc on va vite descendre, c'est plutôt sur la droite. On va vite descendre plutôt sur la droite. Est-ce que c'est plutôt par là? Ah, il va y avoir une grosse marche. C'est bien ça. Il faut que je trouve un passage pour descendre là-bas. Ça va être le bordel. Ça va être le bordel, je le dis tout de suite. Ne tombe pas dans un trou, s'il te plaît. Fais-moi pas ça. J'ai pas sauvegardé. On pourrait être dans l'âme. On pourrait être bien dans l'âme. Et tu ne veux pas être dans l'âme. Ah non, mais je suis un roi du 4x4, moi. Quoi? Ok, il y a plein de pièges.
C'est quoi là-bas? C'est d'où je viens, mais je veux savoir. Oui. Mais c'est d'où je viens, ça? Donc la logique voudrait que j'aille plutôt par là-bas. Mais par là-bas, j'en viens aussi. Donc je viens de partout. Je suis nulle part et je viens de partout. Je veux mourir. Ah, tuez-moi. Ben oui, j'ai tout fait ça. J'ai tout fait, j'ai tout fait, tout fait. Peut-être qu'il faut que je redescende. Et que je prenne un autre chemin. Puisqu'il me semble qu'en bas de la montée, j'ai pas trop été me balader. On va voir ce qui m'est proposé. Voilà. Alors, est-ce que j'aurai la chance de trouver mon cristal par là-bas? On va tester. Pourquoi c'est tout rouge là-bas? C'était quoi? C'était une sauvegarde. Si c'en est une, je vais la prendre. On va sauvegarder ici, histoire de ne pas recommencer à perpète. Ce serait tellement moche. Et c'est pas nous qui n'indiquons rien. Et ce truc que tu ne peux pas ramasser. Et cette sauvegarde que tu vas effectuer. J'ai oublié de sauter, hein, je suis désolé. Plotch. Et on va aller explorer de l'autre côté du lac. Par là-bas. Des fois qu'il y a un passage, parce que je pige pas trop la manip. Hop là. Pupup. Te prends pas un piège, s'il te plaît. No trap. Des sauvegardes aussi fréquentes quand même, c'est pas signe d'un jeu de grosse qualité. En général, quand on a un jeu qui est bien foutu, bah, le mec, le développeur est sûr de son coup. Donc il a fait le truc bien et il sait que si vous tournez en rond ou vous en bavez un petit peu, bah, les sauvegardes sont réparties avec parcimonie, comme on dit. Là, c'est un petit peu genre, oui, je sais que là, tu vas crever. Regarde, il y a un piège à loup dans le coin. Et voilà, j'en profite. J'aimerais bien accéder à ce truc. Truc malo truc. Alors, j'ai pas l'impression d'être sur le bon lac. Si je ne m'abuse. Et je pense que si je vais dans la flotte, je vais avoir de gros problèmes. Bon, j'ai fait un tour de lac qui m'a servi à rien. Je suis vénère. Je vais plonger, tant qu'à faire, je vais sauvegarder, je m'en fous. Putain, je suis Dieu! Je marche sur l'eau! Prosternez-vous! Prosternez-vous tous! Et oui, je suis le Messie. On m'a envoyé pour désinfecter cette zone maudite. Et là, normalement, j'ai un lance-flamme, mais je vais y aller, méchant. Alors, je suis peut-être pas allé ici. Oui, enfin le bon passage. S'il pouvait me donner les deux gemmes d'un seul coup, ça m'arrangerait trop trop bien. Regardez, il y a deux trucs qui brillent, pourvu que ce soit ça. Oui, mais là il va t'arriver quelque chose. Attention. Là, c'est à moi. Et celui-là, tu vois. Bah, il est à moi aussi. Faut pas prendre des petites saucisses, le bout de pain? Je crois que j'entends des voix dans ma tête. Mais c'est que dans ma tête. C'est ça qui est rassurant. Bon, faut que je remonte tout là-haut, que j'aille vers le trou d'eau où il y a la sauvegarde au milieu et que je fasse. Bah, j'allume mon passage, quoi. Et qu'on boucle enfin cette aventure qui franchement, s'est beaucoup étalée. Et nous a fait beaucoup rire. Enfin, je vous ai fait beaucoup rire, hein, c'est pas vraiment le jeu. Et, bah, mine de rien, vous auriez fait le jeu, il vous aurait fait rire quand même. Et n'a pas procuré vraiment les sensations attendues, quoi. Des scare jump, bateau,
quelques-uns bien placés, mais sans plus, quoi. Du coup, se dire que ce soft est vendu 20 balles, je le rappelle, c'est un peu choquant. Parce que non, tu vends pas à ce prix-là un jeu qui est tellement plat, quoi. Je le rappelle, on dirait un jeu d'étudiant. Alors c'est pas péjoratif, parce qu'il faut un début à tout, et il faut bien s'entraîner à la programmation et au dev. Mais par pitié, arrêtez de vendre vos démos, quoi. C'est des démos que vous faites, les gars, c'est pas des vrais jeux, regardez comment on se fait chier dessus. Oui, j'utilise le langage approprié parce que c'est vraiment le cas, quoi. Donc du coup, bah, moi j'avais du temps à perdre, ça m'a amusé de perdre mon temps là-dessus, mais les gens qui ont vu le stream, du coup, je suis pas certain qu'ils vont adhérer en masse en se disant, oh, vite, faut que j'aille sur Steam télécharger ce jeu, il est trop génial. Je crois pas. Pourquoi la fumée est revenue? Et pourquoi la fumée? J'aurais mieux fait de sauvegarder, moi ça mériterait de me faire éclater ici. C'est ce qu'on va faire. Parce que je sens le truc un peu bâclé. Ah, c'est chiant. Oui, je renchaîne, on arrive vers la fin, je suis pressé que ça s'arrête. Que je sois libéré de ce calvaire. Que j'ai écrasé la mauvaise sauvegarde, mais on s'en fout. On s'en fout total. Allez hop, abrège ton calvaire. Jump. Jump the say. Jump again. Y a un passage là? Ça va où? Ouais, je suis super curieux. Ah bah, j'y suis passé déjà. Non, va dégager ta fumée. Si ça ne marche pas, tu meurs. Tant pis, tu seras mort. Il faut bien mourir de quelque chose de toute façon. Un jour, on n'est pas éternel. Ça ne marche pas. L'éternité, c'est pour les faibles. En plus, je rappelle que le jeu est pas mal buggé. J'y vais. Connard! Laisse-moi attraper mon truc là, ça. Curseur. Putain de curseur de merde. Pourquoi je peux pas installer mes... Mais j'aime! J'y vois foutre rien. Je me suis fait piquer les gemmes qui étaient là-dessus. C'est incroyable. Donc si on a une là, il y a une symétrie là. J'ai vu quelque chose. J'ai entrevu. Yatta. Et maintenant je passe. Va-t'en, sale fumée noire. À moi la route vers la liberté. Roule, 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 roule. Je dois avouer que j'ai pas supra compris pourquoi je me suis fait latter. On va foncer. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut vraiment pas. Alors, est-ce qu'il y a encore une feinte à faire? Trouver d'autres cristaux? Putain, mais arrête! Aucune logique ici. Donc moi je veux bien être sympa mais... Je vais tenter le rush. Je vais faire l'abruti jusqu'au bout. Je rêverais d'avoir le chat pour qu'on me dise, mais monsieur K, il faudrait que tu fasses ça. C'est normal que ça ne passe pas. But why? Non, mais il est en mode infiltration. Ah, cet échec. Je me suis fait tarter, mais tarter de chez Tartiflette. Hein. Alors pourquoi je ne peux pas passer?
C'est ouf. Là, je passerai. Là, je passe pas. Je pige pas. Je ne pige absolument pas. Vite, mes notes. Il est fort probable qu'il y ait un huitième épisode de cette série de streams sur The Cursed Forest. Alors, et dans mon inventaire, j'ai toujours des cristaux de rab. Je ne peux rien en faire. Oh purée, va te faire. Vas-y, je te tarte. J'essaye, hein, moi je. You shall not pass. Ok, j'ai compris, je me casse. Why? Avec ça 5 sur 6, faudrait que je trouve encore un bout de corps apparemment. Je suis chagrin là. Ouais. J'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire, Stétron. Vous avez l'adresse du programmeur? Non, mais je demande comme ça naïvement. Aucun dessin maléfique dans mon esprit, vous le savez bien. Ouais, je vais faire bugger le jeu, tiens, ça m'amusera. Oh, si près de la civilisation et si loin pourtant. Les gars, je suis là, venez me chercher, envoyez un hélico. Je suis coincé dans un jeu sataniste qui veut pas me laisser prendre la sortie. C'est un jeu sataniste. Le mot est lâché. Alors, tout ne tient souvent dans ce jeu qu'à un bout de script qui ne s'est pas déclenché. Et vous allez vous faire ça pour trouver où, quand, comment, vu que le niveau logique, c'est un petit poil rafistolé, quoi. Donc, on va s'arrêter par là. Hein. Allez. En plus, ça tombe bien, j'ai Madame Foldingue de Ingress qui va me faire rigoler. Je vous parlerai en détail un jour de Madame Foldingue, une femme qui s'amuse à faire des choses très diffamantes et très immondes au sujet de choses qu'elle ne connaît pas du tout, la pauvre. C'est pour ça qu'on l'appelle Foldingue, parce que ça lui va très bien. Elle est un peu pétée du casque dans sa tronche. Allez, avant d'être super méchant, on fait une sauvegarde, on arrête là, et je vous dirai dans le huitième et dernier stream, je pense. Et j'espère. Bah, pourquoi j'étais coincé ici? Allez, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Rendez-vous à 21h pour l'ultime stream dans The Cursed Forest. Je vous laisse avec les playlists habituelles. La généraliste, celle des shmups. Et pensez à vous abonner si vous voulez voir le prochain stream. Ciao!